Qu'est-ce que tu cherches? Il sera mort avant le crépuscule. Ah oui? Mais qu'avons-nous là? Un tueur de vampires? Vire. Démon! Démon! Tiens, tiens, que me vaut cette visite surprise? Le vampire sait que je sais tout sur lui, ou il l'apprendra quand il s'éveillera cette nuit. Qu'est-ce que tu débloques? Ce gars avait des crocs et même une chauve-souris m'est passé dessus et une seconde plus tard, il est apparu... Quoi? Hier soir, il avait des crocs. Il lui a enfoncé dans le cou. C'est un vampire. Les vampires, c'est du cinoche. J'attends que le gars qui vit avec lui s'éloigne pour pénétrer là-bas et lui enfoncer le pieu dans le cœur. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? On se croirait dans Nuit d'horreur. Il faut que quelqu'un l'arrête. M'aideriez-vous à le tuer? Si personne ne m'aide, il me tuera! Ah, j'ai un plan tout préparé. Nous allons à côté, chez le suspect, et il lui faudra alors passer une de ces épreuves dont vous avez le secret pour prouver qu'il est vraiment humain. Et vous savez, comme dans l'orgie des damnés. Oui? Vous vous en rappelez pas de ce cinglé? Il s'appelle Charlie Brewster. C'est pour toi. Oui? Oui, c'est Jerry Dandridge. Demandez-lui s'il accepterait l'eau bénite. Que diriez-vous de l'eau bénite? Oh, oui, d'accord, d'accord. Oui, ça semble bien. Mais ne l'amenez surtout pas avant 6 heures demain pour lui prouver que je ne suis pas un vampire. Ah, où gardez-vous votre cercueil? Ou peut-être en avez-vous plusieurs? Stop! Oh, vraiment? Je ne suis pas un vampire. Écoutez, vous mentez comme un arracheur de dents. Et s'il n'est pas un vampire? Eh bien, qu'il touche ceci. Êtes-vous sûr que ceci est de l'eau bénite? Oui. Bon. À votre santé. Ah, c'est impossible. N'est-ce pas ce que les vampires sont supposés faire, Charlie? Non. Non, bien sûr que non. Vous voilà enfin convaincu, je ne suis pas un vampire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Bien. L'affaire est réglée.